Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, merci d'avoir participé à ce petit sondage. Donc, je vais peut-être le faire tous les trois d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui est le général Burkhard, c'est la personne qui a repris la direction des armées françaises hein, après la démission de Lecointre, je ne me souviens plus de son prénom. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir un rôle important à jouer dans les prochaines semaines. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans les personnes à choisir. Bon, mais on va rester aujourd'hui sur Donald, puisque Donald, c'est lui que vous avez choisi. Alors, je vais prendre donc mon jeu de haut, qui est un jeu psychologique, comme vous le savez maintenant. Hein, beaucoup de personnes me demandent quel jeu j'utilise. Alors, encore une fois, c'est le jeu de haut, H-O. Je vais vous remontrer le... Voilà. C'est ce jeu-là hein, que vous pouvez trouver, ben, je sais pas, moi j'ai trouvé sur Amazon, oui je sais. Mais bon, c'est pratique hein, pour moi parce que je suis à l'étranger, donc je peux pas aller chercher en France. Hein. Voilà. Mais bon, peut-être que vous le trouverez dans des librairies spécialisées. Ok. Bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la personnalité de Donald Trump, ce qui éventuellement le tracasse, et puis aussi ce qu'il pourrait faire. Voilà. Sachant qu'aux États-Unis, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et dont on n'a pas encore entendu parler. Alors, la personnalité de Donald, on va voir ce qui ressort. Hein. Voilà. Alors, ça sera peut-être pas dans l'ordre, enfin, on va voir. Hein. Les cartes, parfois, elles sortent comme elles veulent. Alors, qu'est-ce qui le tracasse ou qu'est-ce qu'il a en tête en ce moment? Voilà. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui ou qu'est-ce qu'il va faire, hein, les actions futures qui le concerne. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez à ce jeu. Hein. C'est vous qui posez les questions. Alors, rival. Début, rire. D'accord. Bon, pas mal. Pas mal, hein, pas mal comme au niveau de la personnalité. Ce qu'il tracasse. Attitude espoir, se vanter. D'accord. Et alors, ce qui va arriver, humilier, courage. Et se libérer d'eux. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Alors, au niveau de sa personnalité, début, rival et rire. Bien. Quoique j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être pas sa personnalité, mais peut-être ce qu'il tracasse. Mais bon, ça sort comme ça veut. Hein. On va voir. Parce que là, quand même, c'est amusant. J'ai l'impression qu'il va humilier son rival quand même. C'est curieux. Hein. Alors, le rival, ce serait Joe. Hein. Joe B. Qui n'a pas vraiment été élu de façon correcte. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais ça bouge beaucoup aux États-Unis. Hein. Mais moi, j'avais vu en astrologie qu'il y avait des choses pas claires au niveau de cette élection et qu'il y aurait certainement une déception pour Joe par la suite. Hein. Il y avait du Neptune dans l'air. Et Neptune, c'est une planète qui apporte des tromperies, des illusions et des mensonges. Hein. Donc, c'est vrai que ces élections, elles n'étaient pas claires du tout. Et je ne suis pas surprise de savoir qu'aux États-Unis, eh bien, ils ont recompté les votes, hein, si vous ne le savez pas. Et que oui, il y a eu effectivement, il y a eu, comment on appelle ça, betrouk, tromperie. Hein, voilà. Donc, il y a eu des votes, effectivement, qui ne sont pas du tout corrects. Hein. Grosse tromperie. Et Joe, eh bien, n'a pas du tout été élu. Bon, allez, vous regarderez vous-même. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, donc, personnalité rivale, début, alors rire, alors attitude espoir, se vanter, ouais. C'est plutôt sa personnalité, ce, je trouve ça. Et là, éventuellement, ce qui pourrait se passer, se libérer de courage et humilier. Bon, donc, Donald, rival. Donc là, il y a la justice, début, ici, et rire. Donc, rival. Moi, j'ai l'impression que c'est pas sa personnalité, mais c'est plutôt, en fait, des choses qui pourraient arriver. Attitude. Ouais, à mon avis, sa personnalité, ça se trouve, elle est plutôt par là. On va voir. Espoir et se vanter. Ici. Humilier. Ici. Courage. Ou se libérer d'eux. Les questions d'enfants à la fin. Alors, on va voir si on peut retrouver des choses intéressantes. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que sa personnalité, je l'ai plutôt sortie sur la deuxième rang. Bon,
c'est possible. Là, ce serait par exemple son attitude qui serait un peu militaire, puisqu'il a une attitude assez, comment dirais-je, autoritaire. Hein. Bon, ça, je crois que on est tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Espoir, ouais, et se vanter. Ouais, c'est plutôt sa personnalité, pour moi, elle est plutôt par là. Donc, c'est plutôt quelqu'un... Alors, ouais. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui a une attitude assez autoritaire. Bon. Se vanter, c'est vrai aussi qu'il n'est pas très modeste. Hein. On ne va pas le nier. Hein. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui a un ego important. Et ça, eh bien, ça peut lui apporter des ennuis. Hein, le fait d'être un petit peu le côté vantard, le côté moi-je, le côté égo, hein, le côté je connais ma valeur. Et ça, c'est au niveau de ses personnalités, ça passe mal. Hein, c'est plutôt ça, en fait. Hein. Donc, on peut lui reprocher son attitude assez autoritaire et le fait qu'il soit quand même assez vantard. Bon, c'est vrai. On va pas le nier, il a ses défauts. Alors, espoir, ça, c'est plutôt quelque chose... qui est un peu caché en ce qui le concerne. Hein. J'ai l'impression que quelque part, c'est un personnage qui peut être assez secret d'une certaine façon. Je crois qu'il y a des espoirs en ce qui le concerne qui ont été déçus. Il y a de la déception par rapport à des choses qu'il imaginait ou qu'il voulait dans sa vie. Là. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un peu caché. Hein. Il ne va pas le montrer. Ce que les gens voient, c'est plutôt ça et ça. Le côté vantard et le côté autoritaire. Mais là, il y a des choses qui sont un peu cachées en ce qui le concerne. J'ai l'impression qu'il se sent quelque part un peu seul. Parce que c'est quelqu'un qui est seul ici, qui est un peu triste. Encore une fois, vous avez le soleil qui est caché derrière les nuages ici. Vous avez des tons qui sont assez gris, hein, bleu-gris. La personne, elle baisse la tête, elle est toute seule. Donc, j'ai l'impression qu'il se sent quelque part un peu seul. Mais ça, c'est caché. C'est caché derrière cette attitude-là, qui est assez martiale, hein, le policier qui dit stop, voilà, qui a l'autorité, donc c'est l'attitude autoritaire ici, et le fait qu'il y a le côté un peu vantard qui peut lui apporter des foudres des gens, de certaines personnes. Bon, pour moi, sa personnalité, elle est par là. Alors, on va aller regarder par là, hein, parce qu'il y a des buts, rire et rival. Donc ça, c'est plutôt ceux qui, à mon avis, pourraient le tracasser. Donc, on a ici le début. Alors, on voit une personne qui est dans un coin, qui est punie. Donc, le début peut être de punition. Hein, ça pourrait aller ensemble ici. Rival, c'est la concurrence. Donc, des gens, ses opposants politiques. Hein. Ça, c'est rival ou rivaux, si vous voulez. Il n'y a pas de pluriel. Donc là, ça va être le début, je pense, de la fin par rapport à des rivaux ici qui vont certainement être jugés. Hein. Alors, c'est ces deux cartes-là sont quand même assez contradictoires parce qu'il y a rire, mais après, il y a la personne qui met une main devant la bouche. Hein. Pour moi, c'est le début de la fin. Voilà. Par rapport à ces rivaux qui ont ri au début, mais qui après, à mon avis, vont s'apercevoir, comment dirais-je, de leur situation qui n'est pas du tout agréable. Hein. Il y a des gens là qui vont réaliser ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, et qui vont arrêter de rire. Hein. Je le vois comme ça, moi. Après, vous pourrez les interpréter différemment. Mais là, on a plutôt pour moi ce qu'il tracasse en ce moment. Hein. Donc là, il est en train de régler des comptes. C'est clair. Hein. Il est en train de régler des comptes par rapport à des gens qui vont être jugés, qui sont encore en train de rire, mais qui vont arrêter de rire dans pas très longtemps. Donc ça va être le début de l'enfermement pour ces gens-là. Ben, vous savez encore une fois que si les élections ont été truquées, et puis, bon, apparemment, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe, hein, eh bien, il y a certaines personnes qui vont être jugées et qui vont être mises en prison. Donc, ça va être très grave, hein, très, très grave. C'est trahison envers l'État, là, ce qui va se passer. Hein. Donc là, on a des choses très nettement ici, ça le préoccupe. Bon. Alors ensuite, ici... Ça, c'est la dernière rangée. Alors, se libérer d'eux. Donc là, il y a la question des enfants. Alors, se libérer d'eux ou éventuellement libérer d'eux. Hein, parce qu'il y a la question des enfants, là et là. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, ici. Et il y a des questions d'humiliation, ici. Alors, est-ce que ça pourrait être avec ça? On va voir. Humilier. Non, c'est les médias, ça, je pense. Hein, c'est les cartes que l'on met... ça peut être aussi la communication ici, parce que les cartes sont un moyen de communiquer, hein.
Donc humilié, moi je pense que c'est la carte des médias ici. Donc il va y avoir une humiliation par rapport aux médias ici. Donc ça, ça peut être plutôt le futur. Hein. Et se libérer d'eux ou libérer éventuellement quelque chose par rapport aux enfants. Parce qu'il y a les enfants qui sont à l'école. Vous savez que les enfants sont en danger, hein, puisqu'ils veulent mettre la piqûre également pour les très jeunes. Donc là, il va y avoir, à mon avis, des choses très certainement dans les prochaines semaines en relation avec les enfants. Il y a courage ici, courage envers les enfants, ou pour défendre les enfants plutôt, hein, pour défendre les enfants et les libérer, hein, c'est pas vraiment se libérer, mais plutôt les libérer, moi je pense, libérer les enfants de quelque chose, et donc là, faire preuve de courage, par rapport, pour défendre ses enfants. Hein. Il y a nettement quelque chose en relation avec les enfants. Là. On va aller remettre une carte sur la dernière rangée, qui est un petit peu, bon, un peu bizarre quand même. Enfin, il y a vraiment ces histoires d'enfants, là. Et puis là, il y a les médias. Hein. Ça, je pense. On va regarder. Alors, pourrir, voilà. Ici, se libérer d'eux, donc supprimer. Et humilier, c'est là, donc lassitude. Donc ça, c'est, ça peut vraiment être les médias. On va voir. Lassitude, supprimer et pourrir. Alors, courage et pourrir, c'est un peu curieux. Alors, pourrir, je ne sais jamais dans quel sens la mettre, cette carte-là. Bon, peu importe. Hein. En tout cas, c'est quelque chose, tout comme ça. Allez. Quelqu'un qui mesure des choses. Donc ça, c'est les mesures. Hein. Ça, c'est les mesures que l'on prend. Alors, mesurer, hein, les mesures que l'on prend, donc. Pour faire des trucs, hein, pour faire des choses, mettre en place des mesures, peu importe lesquelles. Hein. Si vous voulez, c'est des plans, ça. Donc, pourrir les plans de... Alors, par rapport certainement aux enfants. Hein. Supprimer. Donc là, il y a l'espoir. Hein, c'est les étoiles. Donc, ça peut être l'espoir dans la nuit. Donc, pourrir des mesures qui vont être prises par rapport aux enfants. Ici, donc, il va falloir faire preuve de courage. Donc, supprimer toutes ces mesures. Hein. Et donc, il y a une petite espoir, une petite lueur dans le ciel, justement, ici. Et lassitude, ben, ça, c'est le... Vous avez ici la politique sanitaire. Il y a beaucoup de lassitude à cet égard. Il en a marre. Pour moi, il en a marre. Donc, il va falloir se libérer de tout ça. Hein. Et ça, c'est surtout en relation avec les enfants. Alors, on va aller voir quand même la carte d'humiliation, parce que là... On va voir un petit peu. Et ça, c'est le futur pour moi. Hein. Hésitation. Ah, il y a quand même une hésitation ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une hésitation. Hésitation. Ah ouais, il y a les questions de temps, là. C'est comme si, en fait, pour l'instant... Ouais. C'est comme si, pour l'instant, il ne pouvait pas encore faire ce qu'il avait envie de faire. Donc là... Il y a un timing, hein, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de ce qui se passe aux États-Unis? Quand est-ce qu'on va avoir les infos? Voilà, pourquoi il y a vraiment y a rien qui sort dans les médias? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas que les élections ont été truquées, etc.? Ben, il y a quelque chose, il y a le fait, il y a le temps. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore maintenant, hein, les fameuses révélations dont tout le monde parle. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs, hein, il y a les gens qui tirent les cartes anciens, etc., qui en parlent aussi. Mais là, il y a nettement... Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts aux États-Unis encore à dire ce qui se passe et à humilier les médias. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Ah oui, et, oui, là, j'étais en train de faire, je viens de trouver ce que c'est. Ben oui, évidemment. Suis-je bête? Pardon. Ça, c'est les bulletins de vote. Hein, vous voyez, en fait, je pensais que c'était les médias, mais non, c'est les bulletins de vote. Hein. C'est le fait de recompter les bulletins de vote. Donc là, il va y avoir très nettement des humiliations à cet égard, hein, puisqu'il y a eu trucage. Il y a eu... enfin, vous direz un petit peu, hein, il y a les informations qui circulent sur le net quand même, quand on s'est cherché. Mais en fait, il y a des bulletins qui ont été, comment dire, rajoutés avec le nom de Joe dessus. Hein. Donc là, il y a nettement... C'est vraiment le problème, ça, c'est les bulletins de vote. Voilà, je viens de comprendre. Bon, donc compter, recompter. Et donc là, il va y avoir certainement des choses qui vont être... mise à jour, mais vous voyez, c'est pas tout de suite. Alors là, on est au mois d'août, aujourd'hui on est le 15. Ben, je sais pas, je regarde hein, ce que ça pourrait me dire. Là, sur la montre, qu'est-ce qu'on a comme chiffre?
Alors, la personne est droitière, donc la montre, elle est comme ça. Donc ça, c'est le chiffre 5. Est-ce que ça pourrait nous donner une idée du temps? 5 jours, 5 semaines? Moi, j'ai toujours l'impression que ça va être en septembre. Vous savez que c'est le mois que je vois crucial, hein. Ouais, donc c'est pas tout de suite. Bon, on verra après au niveau du temps quand est-ce qu'on peut avoir ces fameuses révélations. Mais là, il y a définitivement et sûrement des questions de retard. C'est pour ça qu'il y a hésitation. Retard par rapport à l'humiliation qui devrait se faire par rapport aux élections qui ont été truquées. Humilier, c'est aussi en fait rabaisser et dire un petit peu qu'il y a eu tromperie, hein, il y a eu des erreurs, si vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'il y a humilié aussi. Bon, donc ça va se faire, mais pas tout de suite. Alors, se libérer d'eux, les enfants à l'école, hein, oui, encore une fois, et il y a vraiment beaucoup de lassitude par rapport à ça. Donc, on va voir justement par rapport ici, si on peut avoir des informations, hein, puisque là, c'est vraiment les bulletins de vote. J'ai mis du temps à comprendre, hein, bon, ça peut arriver, hein. C'est les bulletins de vote. Et on va voir si on peut avoir ici une petite information. Donc là, se libérer d'eux avec courage. Par rapport aux enfants, question d'enfants, notamment par rapport à la politique sanitaire, là, puisque vous savez bien qu'ils veulent faire aussi picouser les enfants, comme disent certains, ou injecter les enfants. Et là, supprimer et pourrir les études, ou plutôt, les mesures qui doivent être prises en ce sens, là aussi. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Donc on va aller voir une carte là et une carte par là. Voilà. Alors, hésitation et prendre, lassitude et aversion, oui, ça c'est sûr qu'il est contre, hein, et embarrassé, d'accord. Bon, il y a des gens qui vont être dans leur petit soulier à mon avis. Donc on va voir, prendre, hésitation, ici, alors aversion par rapport à la politique sanitaire et embarrassé ici. Donc prendre, voilà, vous avez ici, attendez, je vais vous montrer les cartes, hein. Voilà, prendre, bah prendre, prendre les gens malhonnêtes, donc aller les chercher, les prendre, tac, les arrêter, ici. Vous voyez que ça va bien avec les... Je vais pousser encore un petit peu la caméra, vous voyez. Voilà, vous voyez bien que ça va bien avec humilier et hésitation, donc humilier les gens qui ont truqué les élections. Une petite hésitation, encore une fois, par rapport à cette action qui doit être menée, et aller chercher les gens malhonnêtes, les voleurs, les tricheurs. Bon, ça, c'est en cours. Ici, aversion. Voilà, on retrouve le lit. Avec les gens malades. Donc vraiment aversion. Alors aversion du confinement aussi ça peut. Hein. Et puis aussi aversion par rapport aux gens qu'on veut rendre malades. Hein. Les gens qui donc restent au lit. Je ne sais pas, vous voyez bien les cartes. On va les mettre là. Je vais les remonter un petit peu. Alors embarrassé. Alors embarrassé, il y a des départs. Donc il y a des gens qui vont devoir partir. Hein. Il y a des gens qui vont devoir démissionner, qui vont devoir quitter leur fonction parce qu'ils vont être embarrassés justement par tout le scandale qui va arriver. Alors, avec ce jeu-là, je n'ai pas de carte de temps. Il y a la seule chose, c'est ici avec le calendrier. On va peut-être essayer de voir avec un autre jeu. Qu'est-ce que je vais vous prendre moi comme jeu? Je vais prendre le 32 pour voir au niveau du temps. Quand est-ce qu'on pourrait enfin avoir... justement les gens qui seraient arrêtés, hein, parce que là c'est ça, hein, aller chercher les gens ici et puis les mettre en prison là, hein, puisque là vous avez aussi ce qu'ils tracassent, hein. Bon, alors quand est-ce que ça pourrait arriver tout ça? On va voir si on peut avec le 32. J'aime bien le 32 parce que au niveau du temps il est normalement il est bien. Donc ici là pareil, hein, quand est-ce qu'on va pouvoir pourrir les actions en cours, c'est ça en fait, hein. Et les supprimer. Et puis, pareil, ici, les rivales. Les rivaux. Oh là là. Les rivaux. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir être passés en jugement? Alors, ici, vous voyez, j'ai le retard. Donc, il y a bien des choses qui sont retardées ici. Là, j'ai la dame de trèfle. Donc, là, j'ai... Ben, je ne sais pas. La dame de trèfle, pour l'instant, ça ne m'inspire pas. Et là, j'ai le valet typique. Ouais. Donc, là, c'est la police. Bon. Ça me dit rien au niveau du temps. Mais ça, c'est le policier qui va intervenir, éventuellement l'armée, ici, les soldats. Hein, ça, c'est la carte de vraiment de la police. Donc, il va y avoir une action en ce sens, mais avec retard. Et alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai une dame. Pas pourquoi est-ce qu'elle vient faire là, cette dame. Dame de trèfle, finalement, c'est une femme. Avec des gens. Ah oui, alors bon. Bon, ben, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas les interpréter. Cette 10 de cœur, normalement, c'est beaucoup de gens. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a une femme qui intervient ici. Parce que là, je suis sur les États-Unis. Donc,
Disons, le trèfle, normalement, c'est l'automne. Bon, on peut éventuellement le voir comme ça. Alors, l'automne, la dame. On a 7, 8, 9, 10, valet dame. Alors, là, j'essaie de voir hein, si je peux trouver une indication de temps. Ouais, je peux pas. Je sais pas vous dire. Mais en tout cas, le 10 de cœur, ce qui est bien avec le 10 de cœur, c'est que c'est aussi la joie. Donc, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger sur le, pour moi sur l'automne. Bon, là, il y a du retard. Ah, on peut aller voir, on peut aller creuser ici au niveau du temps. Je sais pas pourquoi c'est retardé. Ah, on retrouve encore le trèfle. Hein. Ah, c'est encore l'automne qui sort. Hein. Ouais, un retard. Un retard qui nous mènerait vers l'automne. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Ah, il sort en roi de cœur, Donald. Vous voyez, je pensais pas. Je voyais plutôt en roi de carreau, moi. Ben non, il sort en roi de cœur. En roi de cœur. Ouais, voilà. Ouais, vous voyez, il hésite. Hein. Il est un peu embêté. Hein. Mais alors, pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi. Bon. Mais après, ça va changer tout ça. Parce que 7 de carreau devient 7 de cœur. Et les choses vont vraiment bouger puisqu'il y a une concrétisation après. Bon, ça va se faire tout ça. Allez, encore un peu de patience, hein, tout le monde. Un peu de patience. Attendant l'automne. Où là, ça devrait quand même davantage bouger. Hein. Pour l'instant, ce qui bouge, ben, c'est les manifestations. Bon, ça, c'est bien. C'est très, très bien. Il faut continuer. Mais sinon, pour le reste, ben, il n'y a rien qui se passe. Hein. On n'a pas, pas vraiment quelqu'un qui vient déloger les gens qui sont en France, dans des hautes positions, pour aller les traîner devant la justice. Parce que ce qui se passe, c'est incroyable quand même. Hein. Les libertés sont perdues. Hein. C'est pas normal. Bon, on va quand même en remettre encore une petite carte par là. Allez, sur le prendre les criminels. Je suis sûre que vous voulez en savoir plus. Donc, on va voir encore un petit peu si on peut avoir d'autres informations ici. Et puis, on va les regarder par là. Hein. Voilà. Succès. Ah, quelle belle carte. Je ne sais pas si on l'a déjà eu cette carte-là. Ah, si, peut-être une fois. Et ici, habitude. Bon, ok. On va remettre... ah, donc, succès en allant prendre les gens malhonnêtes. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Donc, succès. Alors, habitude, ben, je ne sais pas, on va voir. Donc, succès. Regardez quelle belle carte. Ça, c'est la carte de l'amour, la joie. Enfin, en tout cas, on danse, on est content. Eh bien, écoutez, c'était vraiment des très belles cartes. Je ne pensais pas que ça sortira aussi bien. Hein. Donc, aller chercher les criminels, les prendre. Et donc, succès par ensuite. Donc, c'est très positif. Alors, habitude ici. Alors, habitude par rapport à une idéologie. On a un hôtel ici, hein, une église ou je ne sais quoi. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir. Parfois, j'ai les explications après. Habitude, habitude. Alors, est-ce que ça peut être la prière homme. Ah, on va voir qui c'est, cet homme-là. Habitude, homme. Rire. Oh, ouais, donc ça, c'est quelqu'un qu'on va aller arrêter. Il y a un homme qui va être arrêté ici. Hein, je vois, parce qu'on le prend par la main, hein, donc, mais avec violence. Hein. Alors, ici. Ouais, donc là, vous voyez, parce qu'en fait, là, je suis sur les histoires de tribunaux. Hein, vous voyez bien, il y a le jury ici, il y a quelqu'un qui est jugé. Et là, pour moi, il y a alors un homme ou des hommes. Hein. Je n'ai pas forcément que un homme. En tout cas, on va dire des hommes. Je pense que ce n'est pas qu'une personne. Il y a des hommes ici qui vont être arrêtés. Hein. Donc, ça va avec la justice et le tribunal. Qui vont être arrêtés avec violence. Donc, on va aller vraiment les chercher. Et ce sont des gens qui ont des habitudes donc idéologiques. Donc, il y a vraiment une organisation derrière. Hein. Et là, le rire va s'arrêter définitivement. Hein. Ouais, je pense. Hein. Je suis en train de réfléchir que c'était quelqu'un qui pouvait cacher un rire, mais j'ai pas l'impression. C'est pour moi, c'est en fait, c'est des gens qui, au début, qui ont ri, hein, qui se sont réjouis de la défaite de Donald, mais après, on voit que le rire, il s'arrête, hein, voyez. Donc, ils ont fini de rire. C'est un petit peu ça que j'ai en tête. Ils ont fini de rire. Et c'est le début de la fin pour eux. Hein, parce que là, regardez. Là, après, c'est le début de leur emprisonnement. Hein, et de leur passage à un tribunal ici. Vous hein, voyez.
Donc, les rivaux vont passer au tribunal. Hein. Donc là, on a très, très nettement avec ces cartes ici et ces cartes en dessous, là, avec prendre et humilier, très nettement et succès, évidemment, on a très nettement ici une action en justice qui va se faire dans le futur. Vous voyez, j'ai plutôt sorti le futur, en fait. Hein. Ce qu'il tracasse, mais aussi ce qui va arriver ici. Et puis ensuite, le succès. Donc, il ne faut surtout pas perdre espoir. Hein. Il sait ce qu'il fait, Donald. Hein. Mais il y a une question d'hésitation, pour une raison ou une autre. Il n'est pas prêt. Ils ne sont pas prêts encore. Hein, c'est pour ça qu'il y a la carte du retard. Alors, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas encore dire au monde ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je verrai l'information, je vais essayer de voir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a une hésitation? Pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Et alors là, pourrir les mesures, justement, en relation certainement avec les enfants et la politique sanitaire ici. Il n'y a pas que les enfants, en fait. C'est la politique sanitaire en général, mais il y a les enfants qui sont concernés. On va essayer de voir aussi une carte par là, parce que là, ça bouge aussi. La question des enfants est importante pour Donald. Donc, douleur ici, et là, il y a peur. Alors, on va regarder pourquoi. Alors, la peur, à mon avis, elle est dans l'autre camp. On va regarder ici déjà. Et alors, douleur. Pourquoi est-ce qu'il y a douleur ici? Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Je crois que je comprends. Oui, donc ça, c'est la peur dans l'autre camp. Hein, parce que là, on a... en fait, on voit très bien qu'il y a des espèces de deux camps. Enfin, il y en a un qui est tout seul et les autres qui sont ensemble. Donc, attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Donald, il est là ou est-ce qu'il est, il est par là? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des groupements. Il y en a un groupement qui a peur. On va voir. Ouais. Bon, j'irai revoir, me remettre une carte ici parce que je ne sais pas trop. Mais il y a très certainement ici des questions de peur. Il y a des gens qui sont dans leurs petits souliers qui ont peur, je pense. Hein. Et là, alors douleur, bah oui, pourquoi douleur? Alors les moutons, bah les moutons, ce sont les gens qui sont fait, comment dirais-je, injecter le truc, là, hein, la substance. Hein. Et là, bah, à mon avis, il va y avoir... comment dire, il va y avoir certainement beaucoup de douleur quand les gens ils vont apprendre la vérité. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Comment voulez-vous dire la vérité à des millions de personnes qui ont cru les organismes médicaux, qui ont fait confiance au gouvernement pour aller se faire injecter des choses toxiques dans leur sang? Il va y avoir, à mon avis, effectivement, des gens, donc les moutons, hein, les pauvres moutons, les gens qui sont gentils, les gens qui ont fait confiance, les moutons, cette fois, c'est vraiment les gens naïfs, on va dire, il va y avoir nettement de leur part de la douleur. Hein, je pense que c'est ça. Bon. Là, on va les remettre une carte. Alors, peut-être que c'est justement l'hésitation, comment annoncer les nouvelles, peut-être, hein. Comment faire part de ce génocide? Parce que c'est un génocide. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des médecins qui en parlent. C'est un génocide. Voilà, donc faire preuve de sagesse à cet égard. Et là, il y a peur, peur et joie. Bon, c'est une belle carte. Bon, donc la peur, elle est dans un camp et la joie, elle est dans l'autre camp. Vous remarquez que c'est des cartes qui sont très, très différentes quand même de celles que j'ai sorties pour les autres personnes. Hein. Pour Manu, Olivier, voilà quoi. Hein. Et Brigitte, hein. Alors, joie, ouais, et sage, ouais, voilà. Oui, alors, là, on a une question de sagesse par rapport à des pièges. Hein, vous savez, vous souvenez de cette carte-là, hein, ici, hein, les requins qui sont pas très loin du plongeur, qui est en combinaison, donc qui est sous l'eau, et l'hameçon ici, qui est aussi un piège. Donc, être sage par rapport à des pièges. Hein. Donc là, il est en train, si vous voulez, il hésite. Alors, il hésite parce qu'il va falloir aussi éventuellement annoncer aux moutons qu'ils sont bien fait avoir. Hein. Il y a ça. Donc, pas facile à annoncer. Voilà comment faire. Hein.
et sagesse. Alors, par rapport à un piège ici. Donc, en fait, il est encore très prudent, Donald. Hein. Il fait preuve de sagesse parce qu'il ne veut pas... comment dire, il ne veut pas tomber éventuellement dans un piège. Ou en tout cas, il essaie comment est-ce que je peux vous dire ce que j'ai à l'esprit? Il essaie en fait de faire très attention, de prendre toutes les mesures pour ne pas être piégé. Hein, et parce que l'ennemi en face, il est puissant quand même. Attention, hein, il est puissant. Hein. Et donc là, eh bien, il fait preuve de sagesse pour faire attention, encore une fois, de ne pas tomber dans un piège. Donc une fois qu'il lancera son action, c'est qu'il sera sûr d'avoir mis tous ses rivaux en prison. Ici, hein. Donc de les avoir tous et d'avoir tous été les chercher, les prendre pour les mettre ici en prison, pour les enfermer. Hein. Donc là, il est en train de nettoyer, on va dire. Bon, alors, joie et peur. Je pense que c'est ça, en fait, hein, vraiment, la peur qui est dans l'autre camp. Donc, ça peut être ces gens-là, en fait. Hein, parce que je pense que là, c'est peut-être éventuellement Donald qui est un petit peu à l'écart, qui regarde ces gens-là, qui pour l'instant sont contents, qui sont entre eux, qui se sentent protégés, mais pas pour longtemps. La peur, elle est dans le camp, là. Et la joie, par rapport à... Alors, l'escalier, vous voyez que l'escalier, eh ben, il faut gravir l'escalier. Donc, une marche l'un après l'autre pour arriver à la lumière, puisque c'est une porte qui s'entr'ouvre, ici. Donc, il y a encore les notions de temps. Hein. Mais... la joie, le succès, hein, ils sont là, ils arrivent. Et encore une fois, c'est une porte qui s'ouvre, donc bon, ça va se faire tout ça. Bon, bah, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous pensez de ce tirage. Alors, est-ce qu'on peut mettre encore une fois une dernière carte? Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent si Donald va revenir. Ben, je sais pas. Logiquement, il devrait, hein, mais bon, il faut qu'il fasse attention de ne pas faire sécession au niveau des États-Unis, évidemment. Hein. Donc, on va remettre quand même une carte. On va demander, est-ce que Donald va revenir au pouvoir? Ou est-ce qu'il va continuer un petit peu en sous-main? Est-ce que c'est pas plutôt, je sais pas moi, l'armée aussi aux États-Unis qui va gouverner pendant, alors attendez, encore 3 années, hein, 3 bonnes années, avec Donald qui serait un petit peu en arrière-plan? C'est possible, je ne sais pas. Donc, on va voir. Ou bien, est-ce que vraiment, il va revenir au devant de la scène? Alors, donner. Ah, on a donné. Donc, donner. Donc là, on va demander hein, ce que Donald va revenir. Donner et... Oh, je suis fameuse clown qui m'embête. Il m'embête, ce clown. Tu sais jamais comment l'interpréter. Je crois que je vais remettre une carte dessus. Parce que donner... Bon... Je me demande si je vais pas le supprimer du jeu, franchement. Donner. Alors, il y a la tortue. Alors, donner avec lenteur. Je vais remettre une carte, allez, parce que là, je vois pas. Ma question, c'était, est-ce que Donald va revenir? Alors, est-ce que le clown, c'est pas Joe? On peut se demander aussi. Hein. Donner le pouvoir à Joe? Ben non. Là, j'ai enfant. Alors, donner enfant. Voilà, je sais pas non plus comment l'interpréter, ça. Qu'est-ce qu'il va donner là? Et pourquoi s'il y a enfant? Affection. Donner de l'affection aux enfants. Bah oui, je veux bien, mais enfin, c'est pas la réponse à ma question. Donner de l'affection aux enfants. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est autre chose ça. Ouais, non, ça c'est autre chose. Vous savez, il y a eu cette histoire d'enfant qui a été dans les tunnels. Alors, je n'ai pas trop entendu. Enfin, j'ai un petit peu lu des choses dessus. Ces histoires de pédocriminalité là. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hein. Il y a eu des histoires d'enfants dans des tunnels. 2 millions d'enfants, c'est énorme. Qui étaient prisonniers, apparemment. Enfin bon, l'armée les a libérés. Bon, je n'ai pas d'autres informations. Si vous en avez, bah, dites-le moi, j'irai regarder. Donc là, il y a ces histoires d'enfants qui ressortent. Hein. Des enfants qui ont été traumatisés, auxquels il faut donner de l'affection. Bon, ça sort comme un cheveu sous la soupe, je sais. Mais apparemment, ces histoires de pédocriminalité qui ressortent. Hein. J'essaie toujours de me brancher sur Donald. Bon, et là, il y a la question de lenteur. Vous savez que la pédocriminalité, moi, je sais que ça existe. Hein. Informez-vous, c'est énorme. C'est énorme. Il faut le savoir, même si ce n'est pas un thème agréable. Il faut savoir qu'on est gouverné par des gens qui sont criminels. Et les enfants, tous les enfants qui disparaissent tous les ans, je ne sais plus combien il y en a de centaines, de milliers, et oui, il y en a énormément dans le monde. Donc, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas. Ben, parce qu'ils sont dans ces réseaux-là. Bon, bref, on va laisser le sujet de côté. Mais je sais que Donald... a participé à libérer des enfants qui étaient prisonniers de réseaux pédocriminels. Hein. Donc là, il y a cette histoire-là qui ressort.
Hein, c'est pour ça qu'il y a le clown, parce que le clown, c'est quand même en relation avec les enfants. Mais c'est pas ça que je voulais savoir. Donc, je vais essayer de revoir si je peux avoir une indication, savoir si, alors, si Donald revient au pouvoir. Il y a quand même le succès ici, mais est-ce qu'il va reprendre le pouvoir, oui ou non? Alors, on va dire en 2021, hein, ou 2022. Alors, voilà. Alors, expert. Bon, alors, il y a un expert qui sort. Alors, ça peut être lui, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Expert dans la maison. Alors, ça peut être la Maison Blanche. Hein, parce que je pensais au foyer, la Maison Blanche. Expert à la Maison Blanche. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'intérim, par exemple. Et qui travaille en collaboration avec Donald. Hein, je sais pas. On va voir ce qu'il sait, cet expert. Donc, quelqu'un de spécialisé, hein, expert. Il y a un étranger, là. Ouais, donc, ce ne serait pas Donald. Hein. Ou alors à l'étranger. Ah, attendez, pas que ça aille trop vite. Étranger, mais je ne suis pas sûre. Étranger qui va donner le feu vert. Pardon, go, il est dans l'autre sens. Étranger qui va donner le feu vert. Le feu vert à l'étranger. Un étranger. Bon, j'ai toujours pas vraiment ma réponse. Expert étranger. Je me demande quand même s'il n'y a pas d'ailleurs une autre personne. Stop. Alors, j'ai qui donne le go, qui donne le départ et qui dit stop. Alors, c'est qui? J'ai deux personnes ensemble. Alors, en ce qui concerne Donald, je ne suis pas sûre qu'il revienne au pouvoir. Il est possible qu'il y ait un intérim quand même. Hein. Un intérim, ouais. Donc ça expliquerait cette carte d'expert à l'étranger qui va donner le go et qui va arrêter autre chose ici. Donc il va arrêter la conduite, hein, conduite automobile, donc il va arrêter la conduite de ce qui se passe au moment du gouvernement américain. Ah, vous savez que bah, y a Joe hein, avec tout son, toute sa clique, tous les gens qui gouvernent avec lui. Donc là, on peut dire que c'est les gens qui sont ensemble. La conduite du gouvernement, ça va s'arrêter. Bon, ça, c'est sûr. Et ensuite, je pense vraiment qu'il va y avoir un expert. Donc quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Alors, est-ce que c'est l'armée? Je ne sais pas. Ouais, alors j'ai la carte du changement quand même, hein, qui vient de sortir. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit Donald qui revienne. Il va y avoir une espèce de changement. Alors, quelqu'un qui sème des graines. Bah, je ne sais pas. Si vous avez une idée de ce que ça peut être. Il est possible que ce soit Donald qui prépare son changement pour à futur. Donc, plutôt vers 2024. Hein. C'est possible. Hein. Je viens de le comprendre là. Changement à venir. À venir. Ou à, dans l'avenir. Là, il sème ses graines. Donc, c'est pas sûr qu'il revienne. Je me trompe peut-être, hein, mais je suis pas sûr qu'il revienne. Il reviendra peut-être pas comme les gens l'attendent. Il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse l'intérim ici. Voilà. Bon, vous voyez que ces cartes-là, et ça, c'est quand même assez intéressant, elles ne sont pas du tout négatives concernant Donald. Je n'ai aucune carte avec des serpents, voilà, de la méchanceté, du mensonge, etc. Je n'ai pas des cartes comme ça en ce qui le concerne. C'est un homme qui ressort définitivement, positivement, qui est en train de mettre, comment dire, des criminels, hein, d'aller les chercher ici, prendre criminels. Donc, il est en train de les chercher, il est en train de faire du nettoyage, il est en train de faire en sorte que les rivaux passent en jugement, un rival ou rivaux, ici. Des gens qui ont des habitudes, donc, en relation avec des idéologies. Il s'occupe très nettement des enfants, là. On avait vu les enfants là. Il veut arrêter la politique sanitaire où il y a une espèce de lassitude. Il y en a aussi marre, hein. Il veut vraiment que les choses s'arrêtent. Mais il y a encore un peu d'hésitation. C'est pas le moment. C'est pas encore maintenant, mais ça va se faire. Puisqu'on a bien le succès ensuite, hein, on l'avait vu en dessous, le succès et la joie. Et puis, il y aura certainement de la douleur à venir, malheureusement, pour les pauvres moutons, pour les pauvres personnes qui se sont faites enfermer sous la houlette d'un berger, par contre, qui n'était pas du tout sympathique. Donc, ça peut être les médecins, là. Voilà. Et bon, bah, encore une fois, tout ça, ça va se faire.
Ayez confiance, surtout. Continuez à manifester. Moi, encore une fois, je ne peux pas le faire. En Allemagne, pour l'instant, c'est calme. Enfin, c'est calme relativement, puisqu'ils n'ont pas imposé le pass. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est encore relativement calme. Ils nous ont supprimé simplement la gratuité du test à partir du 23 août. Mais moi, je m'en fiche, de toute façon. J'ai pas besoin de me faire tester, donc voilà. Et de toute façon, ce sont des tests antigéniques, donc ce n'est pas des tests PCR. Donc les tests antigéniques sont pas très dangereux. J'en ai fait un, c'est désagréable, mais ça va pas très haut dans le nez, donc c'est pas très grave. Pour moi, ils sont sans danger, ces tests-là. Mais bon, de toute façon, c'est en projet. C'est sûr que si en France, le projet passe, eh ben, en Allemagne, il passera. Donc... il faut continuer à se battre, il faut continuer à se battre. En tout cas, du côté de Donald, le succès est en vue, et ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, excellent dimanche à vous tous. Et puis, eh bien après, je ferai certainement Jacques. À bientôt, au revoir.